Bienvenue dans la meilleure sélection sneakers pour la rentrée 2023-2024 avec une volonté de s'imposer un budget maximal à ne pas dépasser et donc à respecter qui va commencer de 80 jusqu'à 100, 120 puis 160 euros grand maximum. Donc là je vais vous donner tous les tics et astuces pour choper vos sneakers archi pas cher juste avant la rentrée. L'équipe vous régale. Du coup on va commencer tout de suite par trois catégories. Donc la catégorie la moins chère. Les paires à 80 euros, grand maximum. Et on commence directement par la catégorie Hess, donc une paire cache-misère qui va valoir archi pas cher, mais qui va bluffer toute votre classe. Donc on commence directement par une paire que j'appréciais pas trop au début, mais franchement, bah, sa hype est revenue. Et franchement, bah, elle est devenue très très tendance aujourd'hui. C'est la Adidas Samba que j'ai eu pour à peine 68 euros. J'ai eu à ce prix là grâce à FitDemHold, c'est un compte Instagram qui va poster dans ses stories Instagram toutes les promotions. Il y a des promos tous les jours, donc voilà, franchement vous pouvez vous régaler, que ce soit les Adidas Samba, Gazelle, ça se rapproche. Donc voilà, vous pouvez prendre à peu près un peu tout ce qui vous va pour ce prix là donc voilà, franchement difficile de faire mieux à ce prix là franchement c'est les paires les moins chères du marché, surtout que la paire elle est grave tendance. Moi au début je kiffais pas comme je vous ai dit, mais mon avis, il a changé. Vous connaissez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, grâce à la série Snowfall, puisque le personnage principal, Benjamin Franklin, il a cette paire de Adidas Samba et il la porte archi bien avec des vêtements assez larges, amples, qui vont justement venir cacher la quasi-totalité de la paire. Et tu as juste le dessus qui passe comme ça. Et franchement, elle passe crème de fou. La paire, en tout cas, je valide de fou. Si jamais vous voulez voir des outfits avec, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me follow sur mon TikTok puisque je proposerai directement une vidéo avec trois outfits avec cette paire là, trois outfits à suivre. Donc voilà pour la première paire de cette première catégorie Hess. On va enchaîner donc avec la deuxième paire de cette catégorie Hess. Vous l'avez vu, c'est du Nike, ma marque préférée, faut le dire, pour l'avouer. Donc voilà, directement une petite paire de Nike High. Alors là vous allez vous dire, ouais mais en fait fallait pas dépasser les 80 euros. En fait faut savoir que cette paire là à la revente, bah, elle se revend plus du tout, voire quasiment, bah vous pouvez la choper soldée dans certains coloris, dans celui-là le coloris Championship Red qui est très joli et qui est sorti il y a plus d'un an. Et il y a eu du réassort au fur et à mesure tout au long de l'année dessus. Donc les tailles enfants c'est sorti à 95 euros, puis les tailles hommes à 110 euros. Sauf que bah du coup vu qu'il y a eu des réassorts, bah, la paire elle est tombée en promotion et aujourd'hui sur un site de revente, je vais vous donner juste l'exemple de StockX ou GOAT, vous pouvez avoir cette paire là pour under retail. Under retail, ça veut dire en dessous du prix magasin. Vous pouvez l'avoir aux alentours de 80, 90 euros, 100 euros, grand maximum à, en comptant les frais de livraison. Donc voilà, franchement, c'est une paire de ouf. Donc ça, c'est juste un coloris Championship Red, mais vous pouvez aller vers d'autres coloris. Bien entendu, il suffit juste de, voilà, tu cliques sur Dunk High, StockX, puis tu regardes d'autres coloris. Bien entendu, bah, tu trouveras ton bonheur sur ce cette paire là bah, qui est très très jolie, franchement efficace. D'ailleurs même une paire pour l'hiver, bah, ça passe archi bien puisque c'est une paire montante. Après tu la mets avec un long pantalon qui tombe par dessus et franchement c'est une peufra pour archi pas cher. Aujourd'hui les Dunk High valent moins cher que les Dunk Low, donc sautez sur l'occasion si vous avez un petit budget pour vous choper un petit coloris sympathique. D'ailleurs je peux vous donner un deuxième coloris qui passe partout, donc le Platinum Grey avec du white, blanc, gris, ça passe avec tout. Ou sinon t'as celle-ci, à toi de voir tout simplement. Donc on va passer à la deuxième catégorie, donc la catégorie de 80 à 120 euros pour le budget. On ne dépasse pas les 120 euros et on va commencer tout de suite par la petite sœur de la Dunk High. C'est quoi? C'est la paire de Dunk Low. Donc on va commencer par un grand classique qui va se porter avec quasiment tout et aujourd'hui ça ne sert plus à rien de l'acheter au prix de revente puisqu'il y a des réassorts sur cette paire là une fois par semaine. Je vais bien parler de la paire de Dunk Low Panda dans toutes les tailles. C'est une paire franchement qui est disponible, voilà, que ce soit du 30 au 49. Elle existe dans toutes les tailles. Et comme je vous ai dit, ça sort fréquemment. On réassort sur le site Nike, l'application Nike. Donc soyez à l'affût. Et franchement, vous l'aurez au prix magasin. D'ailleurs, le prix enfant pour les tailles jusqu'au 35 maximum, c'est 60 euros. Pour les prix du 35 au 40 taille enfant, c'est 95 euros sur Nike. Ou encore les paires femmes, c'est 110 euros. Et les paires hommes, le budget maximum, 120 euros sur cette paire-là de Dunk Low Panda. Donc franchement, vous l'avez archi pas cher. D'ailleurs, si jamais vous n'arrivez pas à suivre le réassort et tout, n'hésitez pas à passer par
mon Instagram Sanjiboy avec 2i2y où je vends des paires de sneakers, justement ces paires de Dunk Low Panda archi pas chères. En ce moment j'ai du 37,5, 39 au prix de 100 euros à peine, donc franchement n'hésitez surtout pas à passer par chez moi si vous cherchez des sneakers en particulier, puisque je fais de l'achat-revente et c'est à des prix abordables de ouf. Donc n'hésitez pas à passer par la vente en particulier, que ce soit moi par exemple ou un autre vendeur sur Vinted, une plateforme entre particuliers ou d'autres plateformes, puisque c'est toujours les solutions les moins chères que les boutiques qui vont revendre à des prix de fou ou d'autres sites de revente qui vont revendre aussi à des prix très excessifs. Donc là je vous conseille vraiment la tendance du marché, puisque chaque paire a sa cote et elle peut baisser. Les paires de Dunk Low Panda il y a 2-3 ans ça se revendait 200-300 euros, aujourd'hui c'est ça se revend pas des masses, franchement tu peux l'avoir assez facilement si tu es à l'affût. Donc voilà, reste branché, puisque là on passe à la deuxième paire dans ce même budget, donc de 120 euros à ne pas dépasser maximum. La paire de Jordan 1 Low, je la compare très souvent à la paire de Dunk Low Panda par exemple, donc voilà, on va la comparer. Moi je préfère largement les paires de Jordan 1 Low, donc voilà pourquoi, parce qu'en fait elles vont durer plus longtemps dans le temps, c'est un cuir plus dur, alors que la paire de Dunk Low elle est plus souple, elle est plus agréable à porter, je vous le concède, mais elle durera moins longtemps que les paires de Jordan 1 Low, comme par exemple celle-ci, c'est le coloris Jordan 1 Low Bread 2 qui est disponible sur mon Instagram à la vente en 38-38,5 au prix à peine de 100 euros, donc on dépasse vraiment pas le budget. Après vous avez un tas de coloris l'équipe, c'est juste de aller regarder sur StockX, Vinted et tout, vous allez trouver un tas de coloris qui sont archi pas chers et accessible à tous. Donc je vous montre même le rendu porté avec par exemple moi la Jordan 1 Low Green Toe que j'ai, et franchement bah elle flingue de fou avec un pantalon par dessus et tout, tu sais même pas si c'est une Jordan 1 Low, Jordan 1 High ou Jordan 1 Mid, d'ailleurs faut même trouver des coloris de Jordan 1 Mid archi accessible. Donc maintenant on va passer à la dernière catégorie, la catégorie la plus élevée dans cette vidéo là, donc ça va être 220 à 160 euros, let's go. Pour cette dernière catégorie-là, une marque qui est en train de péter tous les records et c'est à des prix abordables, à la fois une paire confortable, tu peux faire du sport avec et tout, et à la fois lifestyle, fashion, hype, franchement, elle répond à tous les critères. On va commencer par la première paire que j'ai choisie, la ASICS GEL NYC. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, j'ai fait une vidéo dessus et voici le premier coloris qui est sorti sur le modèle, donc le voici. Par contre, vous en avez aujourd'hui un tas d'autres et ça tombe très souvent en promotion, comme je vous ai dit, en suivant le compte Instagram de Futem, vous l'aurez en promotion dans d'autres coloris. Je vous montre les meilleurs coloris, justement. Je vous montre même le rendu porté avec la paire. Je trouve que c'est une paire archi bien. Elle est confortable, elle répond à tous les critères. Le prix de base de la paire, c'est 150 euros, si je me trompe pas, ou 160, mais vous pouvez l'avoir en promotion chez Snipes, courir. Des fois, ça passe en promotion avec des petites codes promo. Donc voilà, franchement, régalez-vous. C'est une valeur sûre. Lifestyle, elle passe avec tout. J'aime beaucoup. C'est une dinguerie. Paire très tendance avec des coloris très, franchement, archi classe. Il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup à faire. Pour la dernière paire, donc on passe à la dernière paire de cette sélection avec un budget imposé. La ASICS GEL Kayano 14 que je n'ai pas. Mais ce sera mon prochain achat, ma prochaine paire. Je l'ai vu sur Instagram, je l'ai vu porter. L'équipe, j'aime beaucoup. C'est une paire qui m'inspire de fou. Il y a des coloris de ouf sur la paire. Et ça vient tout juste de sortir avec des nouveaux coloris crème qui passent un peu avec tout. Avant, je ne m'intéressais pas au modèle puisqu'il y avait des coloris trop sombres sur la paire. Mais dès que tu vas mettre des coloris plus clairs, franchement, elle est classe de fou. Et je me vois de fou la porter, une paire à 160 euros. Comme je vous ai dit, franchement, il y a de quoi se régaler. Il y a même un coloris qui est disponible très pas mal sur le site ASICS ou d'autres sites. Franchement, n'hésitez pas à me donner votre avis, en tout cas sur ma sélection avec un budget imposé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sanjiboy. Je vais essayer de vous faire une sélection de sap si ça vous intéresse, ou une sélection de tout simplement de sneakers avec un budget plus élevé, avec un budget illimité. Pourquoi pas, vous me le dites dans les commentaires, votre avis, ce que vous allez porter à la rentrée, ça m'intéresse. C'est Sanjiboy qui régale. Si tu veux me régaler, abonne-toi. À la prochaine.